Bienvenue à la pratique ce matin, notre première pratique d'un samedi en 2021. Je veux premièrement vous souhaiter une bonne année, personnellement, hein, de moi à vous. Je vous souhaite que la vie vous envoie tout ce que vous avez besoin pour accomplir tout ce que vous voulez accomplir. Mais je vous souhaite aussi d'avoir l'acuité. Et c'est un peu pour ça qu'on pratique le yoga, finalement, mais d'avoir l'ouverture et l'acuité de pouvoir voir ces choses-là que la vie met sur notre chemin. Puis de pouvoir le capitaliser, finalement, sur ces choses-là que la vie nous envoie. Sur ça, on va commencer sur le dos. Et on va venir connecter plantes des pieds ensemble. Et on va rapprocher les talons du bassin. Les mains peuvent être de chaque côté, un peu comme en Shavasana, les mains vers le plafond. Je pourrais aussi venir les déposer dans le creux des aines ou une main sur le cœur, une main sur l'abdomen. Et ici, on se rejoint à l'expire. Inspire, rempli au maximum. Va étirer le corps de l'intérieur, inspire, rempli. Et par la bouche, fais fondre le corps vers le sol. À nouveau, rempli, inspire, rempli. Et relâche tout en même temps le corps, la respiration. Dernière fois, inspire, rempli au maximum. Et à nouveau. Ici, on va développer notre respiration samavriti, qui veut dire de même fluctuation. Et donc, à l'inspire, on va commencer par remplir le bassin en premier. On fait délicatement monter l'expansion de l'inspire vers les clavicules, vers les épaules. À l'expire, on vide à partir du bassin vers les clavicules et les épaules. On crée comme une vague à l'intérieur du corps. Ici, là, quand vous êtes rendu à la hauteur de l'abdomen, n'hésitez pas à vraiment gonfler l'abdomen comme un ballon. Quelques respirations ici. On prend ce moment-là pour laisser le corps passivement s'ouvrir au sol, à cultiver une respiration qu'on va chercher à maintenir tout au long de la pratique, donc une respiration qui est très calme, très stable. On veut que ce soit une respiration profonde, facile. En yoga, on cherche toujours cet entre-deux-là, entre la facilité et la stabilité. C'est d'ailleurs mentionné dans la pratique d'asana, dans la pratique de posture en yoga. Les mots sanskrits sont sthira sukha. Sthira qui veut dire stable et sukha veut dire facile. Et ce sont les qualités qu'on cherche toujours à maintenir à l'intérieur des postures. On veut être solide, fort, forte, stable, mais sans se rendre à un point où on devient crispé, tendu. Donc, on veut garder l'idée de la facilité et de la stabilité en même temps. Donc, cette facilité-là et cette stabilité-là commencent par notre respiration dans la pratique.
Si ma respiration est facile, stable, contrôlée, dirigée, ça va être beaucoup plus facile de dupliquer cet état-là dans mes postures par la suite. Si ma respiration, au contraire, sera comprimée, crispée, souvent c'est cette même qualité-là qui va se dupliquer dans mes postures. Good. Tranquillement ici. On peut refermer les deux genoux ensemble. Étire la jambe gauche au sol et presse le talon comme dans un mur imaginaire. Viens chercher le tibia. En fait, entrelace les doigts devant le tibia droit et commence à dessiner des grands cercles avec le genou droit. Encore une fois, Sthirasukha, on y va avec des cercles stables, dirigés, conscients. Une certaine lenteur, même une certaine curiosité de ce qu'on découvre quand on fait ces rotations-là. Peut-être que vous allez dire, ah, quand je passe à tel endroit, il y a des petites tensions qui apparaissent. Et donc, ma respiration qui reste également très stable et facile pour supporter cette intention-là dans le mouvement ici. Et là, on peut initier des cercles dans l'autre sens. J'ai vraiment gardé une qualité de respiration stable. Chercher à jumeler le mouvement avec cette respiration-là. Good. Et tranquillement, on revient au neutre ici. Et là, on va venir entrelacer les doigts derrière la cuisse droite. On va presser un petit peu la cuisse droite contre soi. Et de là, on va commencer à presser le talon droit vers le plafond jusqu'à ce qu'on sente un étirement s'installer derrière la jambe droite. Juste un petit étirement, rien de trop intense. Le talon gauche, lui, continue de presser dans un mur imaginaire. Le talon droit, lui, pousse pour essayer d'allonger la jambe. Et les mains maintiennent la cuisse droite vers l'abdomen. Tranquillement ici. On peut relâcher la jambe droite, mais là, on presse le pied droit vers le plafond. Et de là, à l'aide des abdominaux, on tire les mains et la poitrine vers le pied droit. On cherche à plaquer comme il faut le bas du dos contre le sol. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Réallonge toute la colonne au sol et la jambe droite s'allonge à côté de la jambe gauche. Talon droit qui presse dans notre mur imaginaire. Ramène le genou gauche vers toi et entrelace les doigts devant le tibia gauche. Et de là, on commence à dessiner nos cercles. Prends conscience de ta respiration si jamais tu n'es pas dans le champ de ton attention.
Et tranquillement, des cercles dans l'autre sens maintenant. Observe s'il y a des différences entre les deux côtés. Puis, on revient délicatement au neutre. Entrelace maintenant les doigts derrière la cuisse gauche. De là, on tire un petit peu la cuisse gauche vers l'abdomen. Et de là, le talon gauche va presser pour essayer d'allonger la jambe jusqu'à ce qu'on trouve un petit étirement derrière la jambe gauche. Continue de respirer avec profondeur. Ça se peut que ça shake un petit peu. Good. Et tranquillement ici, on relâche l'arrière de la cuisse gauche et on presse le pied gauche vers le plafond. Et de là, à l'aide des abdominaux, tire les mains. Le visage et le haut de la poitrine vers le pied gauche. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Réallonge la jambe gauche et la colonne au sol. Good. Ici, on ramène les pieds plus près du bassin, à une distance idéalement qu'on pourrait toucher avec le bout des majeurs. Donc, ni trop près, ni trop loin. Et de là, on vient planter les coudes de chaque côté du corps, les mains pointées vers le plafond. Ancre les épaules dans le sol. Donc, on arque un petit peu les épaules dans le sol. Les coudes sont préparés et pressent déjà un peu dans le sol. Les pieds sont prêts aussi, le poids bien réparti sous les deux pieds. Et de là, en activant les fessiers et tous les points d'appui dans le sol, on soulève le bassin vers le plafond. On s'étouffe en dandasana, la posture du pont. Elle utilise une profonde respiration, comme on a fait tantôt, mais pour vraiment étirer l'avant du corps. Et circuler la respiration du pubis, dans l'abdomen qui se gonfle, dans la cage thoracique qui se gonfle. Et tranquillement ici, on déroule vertèbre par vertèbre toute la colonne au sol. Élargis les pieds à peu près largeur du tapis. Et de là, comme des essuie-glaces, on envoie les genoux sur le côté gauche, puis sur le côté droit. On balaie. On peut même amener une rotation au niveau de la tête dans le sens opposé des jambes. Tranquillement ici, on revient au neutre. On croise les chevilles ensemble et on se donne un petit élan pour rouler vers l'avant pour trouver la posture
de la table. Dans la posture de la table ici, les poignets alignés avec les épaules, les doigts écartés de façon confortable, les index parallèles, les genoux, largeur des hanches. Et de là, à l'inspire dans la posture de la vache, retrousse les fessiers vers le plafond, cambre la colonne, ouvre l'avant du corps. Et à l'expire, referme. On arrondit toute la colonne, le pubis et le visage qui se referment l'un vers l'autre. Les mains presses dans le sol. À l'inspire, réouvre. L'avant du corps crée de l'allongement dans la colonne. À l'expire, referme. Continue comme ça, avec une respiration très lente. Vas-y avec délicatesse, mais profondeur. Et rendu à ton prochain inspire, reviens au neutre dans la posture de la table. D'ici, élargis les genoux largeur du tapis, les gros orteils se touchent, viens asseoir le bassin, les fessiers vers les talons. Et de là, allonge les bras vers l'avant, dépose le front au sol quelques instants ici. Assure-toi que les mains, si c'est possible, sont connectées au sol, oui, mais les avant-bras déconnectés du sol. Décoller. Les bras sont longs, légèrement actifs. Tranquillement, décolle le front du sol, garde la tête entre les bras. Et d'ici, marche les mains vers le côté gauche. On est cherché un étirement du côté droit. Cherche à garder le bassin à son endroit d'origine et sens le côté droit du corps légèrement attiré vers l'avant. Et de là, avec la respiration qui part du bassin vers les clavicules, on se permet d'aller chercher un peu plus d'espace dans la posture. Tranquillement, ici, on remarche les mains vers le centre, puis marche les mains à droite. Permet au côté gauche du corps de s'étirer vers l'avant un petit peu. Ancre les mains au sol, stabilise le bassin à son endroit d'origine. Crée cette longueur-là dans le côté gauche. Assiste l'étirement par la respiration à l'intérieur qui circule partout. Dans le côté gauche, qui est une expansion.
Et d'ici tranquillement, remarche les mains au centre. Engage les orteils dans le sol et pousse vers le chien tête baissée. Premier chien tête baissée de la pratique. Donc, comme à l'habitude, on peut amener des petits mouvements assez intuitifs ici, si on en sent le besoin. Sinon, on peut rester parfaitement stable dans la posture. Éventuellement, quand la posture sera stable, on peut sentir les mains presser également dans le sol pour créer des bras longs jusque dans une colonne longue. Les genoux légèrement pliés, des fois, peuvent nous aider à trouver cette colonne longue-là. Respiration calme, stable. Good. Tranquillement ici, déroule la colonne. Donc, on arrondit la colonne et on se déroule, on atterrit dans une planche. De notre planche, repose dans les mains, retourne vers le chien tête baissée. Du moment dans le chien tête baissée, on réinspire, on se retrouve dans notre planche. À l'expire, repousse. Inspire, déroule jusque dans la planche. Expire, repousse. Deux autres fois. Et de là, regarde entre les mains devant. Viens porter le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. D'ici, joins les mains en prière au cœur. Et de là, on commence à squatter vers le sol en essayant de garder le poids bien réparti sous les deux pieds. Donc, si on sent que le poids commence à shifter vers l'intérieur des pieds, on peut garder un peu plus de hauteur avec le bassin à ce moment-là. On a une meilleure emprise des pieds au sol. Tranquillement ici. On réallonge les jambes, dépose les mains au sol, referme les deux pieds l'un vers l'autre jusqu'à ce que les pieds soient largeur des hanches et de là, Uttanasana, flexion vers le sol. À l'inspire dans notre demi-flexion, Ardha Uttanasana, et à l'expire, flexion. À l'inspire, demi-flexion. À l'expire, flexion. Good. Pliez les genoux davantage ici, bien connectés, cuisses et abdomen ensemble. Et de là, on peut venir agripper les coudes opposés ensemble et laisser pendre le haut du corps vers le sol. Laisse vraiment la colonne, la tête devenir lourde et comme tirée par la gravité vers le sol. Et tranquillement, dépose les mains vers le sol. En pressant les pieds dans le sol, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, en gardant le haut du corps lourd.
Ici, ça pourrait être un bon moment de prendre de l'eau si jamais vous en sentez le besoin. Sinon, on se retrouve ensemble dans la posture de la montagne. Dans la posture de la montagne, les pieds à peu près largeur des hanches, le poids bien réparti sous les deux pieds. En pressant un petit peu les pieds dans le sol, on sent les jambes s'activer. Cette activation-là qui remonte dans la colonne jusqu'au-dessus de la tête, comme si on essayait de grandir d'un centimètre. Les épaules larges, paumes des mains orientées vers l'avant. Certaine énergie dans les paumes. On écarte les doigts. Et ici, on peut sentir toute la puissance dans la posture, la stabilité, l'inspiration toujours calme. Tranquillement ici, la main gauche en vient le long du corps, la main droite s'élève vers le plafond. À l'expire, flexion latérale vers la gauche. À l'inspire, redresse. À nouveau, à l'expire, vers la gauche. Inspire, ciel. On échange le positionnement des deux bras. Donc, la main droite s'en vient le long du corps, main gauche vers le plafond. À l'expire, flexion latérale. Vers la droite. Respire dans la posture. À l'inspire, redresse. À l'expire, à nouveau, vers la droite. Et ici, redresse à nouveau. Les deux mains s'en viennent le long du corps et entrelacent les doigts dans le bas du dos. D'ici, tire un peu les mains vers l'arrière et pousse le cœur vers le plafond. Cherche à garder les fessiers actifs pour garder le bassin stable. Évitez un retroussement des fessiers vers l'arrière. On veut juste garder le bassin au neutre. En gardant les mains entrelacées dans le bas du dos, redresse la colonne. Et d'ici, on fléchit vers l'avant, comme dans Uttanasana, avec les mains entrelacées dans le bas du dos. Et soit on les maintient ici, les mains, ou peut-être que l'entrelacement des mains va se soulever vers le plafond. Si j'ai la mobilité dans les épaules, je pourrais même avoir les bras éventuellement parallèles au sol, vers l'avant. Dans les pieds qui poussent dans le sol pour élever le bassin. Toute la colonne qui essaie de s'étirer vers le sol. Good. Ramène les mains dans le bas du dos. Et d'ici, dépose les mains au sol. Dans Uttanasana. À l'inspire, demi-flexion. À l'expire, flexion. Déposez deux mains au sol, envoie le pied droit loin derrière. Assure-toi que le genou devant, le genou gauche est au-dessus de la cheville. Dépose le genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. À l'inspire, redresse la colonne. Soit les mains vont rester sur la cuisse, soit en prière au cœur, soit vers le plafond, dans notre low lunge. Good.
tranquillement ici. Viens déposer les deux mains au sol. Allonge la jambe gauche et garde le pied gauche bien à plat au sol. À l'inspire, reviens vers l'avant. À l'expire, et allonge la jambe gauche. À l'inspire, retourne la poitrine ouverte vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et cette fois-ci, maintiens un petit peu ici. De là, réallonge la colonne. Et d'ici, on va planter le talon gauche dans le sol. Une fois le talon gauche planté au sol, les orteils légèrement tirés vers soi. Et de là, à partir du bassin, on prend le bassin un peu comme une penture. Donc, penture entre le haut et le bas du corps. On cherche à garder le haut du corps très long. Et de là, les mains peuvent soit venir se déposer sur des blocs, soit se déposer au sol. Mais on veut garder l'activité des orteils qui sont tirés vers soi et le retroussement du bassin vers l'arrière. C'est ce qui vient chercher, c'est ce qui vient créer en fait le délectable étirement que vous sentez derrière la jambe gauche. Encore 5 profondes respirations. Et de là. Ici, on replie vers la jambe devant. Et de là, on rentre dans un twist. Donc, le bras gauche va venir s'installer à l'intérieur de la cuisse gauche et le bras droit s'étire vers l'arrière, comme si les deux mains étaient tirées dans leur direction respective. Et de là. Une grande vrille avec les mains, on vient déposer les deux mains de chaque côté du pied devant. Engage la jambe derrière, flanche. D'ici, dépose les deux genoux au sol. Petit défi, assure-toi que les mains sont largeur des épaules. 3 demi-push-ups. Donc, on arrête maximum 90 degrés dans les bras, puis repousse. Et de là, repousse vers le chien tête baissée. Good. Un inspire par le nez. Par la bouche en lenteur. À nouveau par le nez. Par la bouche. Good. À l'inspire, la jambe droite se lève. Genou vers le front, expire. Inspire, allonge. Expire vers le front. Inspire, allonge. Expire vers le front. Inspire, allonge. Vers le front. Une dernière fois, inspire, allonge. Expire vers le front. Allonge et regarde entre les mains. Et là, viens porter le pied droit entre les mains devant. Good. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Dépose le genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. À l'inspire, redresse la colonne. Soit les mains vont rester sur la cuisse droite, soit en prière au cœur, soit vers le plafond. À chaque inspire, crée de l'espace. À chaque expire, va utiliser cet espace-là. Descend un petit peu vers le sol. Good. D'ici, viens déposer les deux mains au sol. À l'inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. À l'expire, allonge la jambe droite.
À l'inspire vers l'avant. À l'expire, allonge la jambe. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, vers l'arrière. Deux autres fois. Une dernière fois vers l'avant. Et là, vers l'arrière, maintiens un petit peu ici. De là, redresse la colonne et plante le talon droit dans le sol. Les orteils vers le plafond, tirés vers soi. Et de là, à partir du bassin, on retrousse les fessiers vers l'arrière, ce qui amène tout le haut du corps à simultanément se diriger vers le sol. Les mains peuvent être sur des blocs ou déposés au sol. Donc, on cherche à consciemment conserver les orteils vers le plafond étirés vers soi et le retroussement du bassin vers l'arrière. Encore 5 profondes respirations. À chaque inspire, on crée de la longueur dans la jambe droite, de l'espace dans le bassin. À chaque expire, on va chercher cet espace-là, peut-être un petit peu plus de profondeur dans la posture. Tranquillement ici. On replie vers l'avant. Et de là, on redresse la colonne. Le bras droit s'installe à l'intérieur de notre cuisse droite. Main gauche vers l'arrière. Les deux mains légèrement tirées dans leur direction respective. Et tranquillement ici, vrille les deux mains vers l'avant. Engage la jambe derrière pour trouver la planche. Petit défi numéro 2. Dépose les genoux au sol, main largeur des épaules et de là, on descend, demi push-up, 3 reprises. Et une fois les 3 complétés, repousse vers le chien tête baissée. À l'inspire, le pied gauche s'élève. À l'expire, genou vers le front. Inspire, allonge. Expire, front. Inspire, allonge. Expire, front. Allonge. Expire, ferme. Allonge. Ferme. Allonge ici, regarde entre les mains. Viens porter le pied gauche entre les mains devant. À l'inspire, high lunge. Dans notre high lunge ici, à l'expire, les mains vont descendre vers le sol, être tirées vers l'arrière. Et à l'inspire, les mains refrôlent le sol. On ouvre peut-être même une petite ouverture de la poitrine dans le plafond. À l'expire, referme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Le ramène la poitrine au neutre. Entrelance les doigts dans le bas du dos
Et de là, tire un peu les mains vers l'arrière, pousse le cœur vers le plafond. Redresse la colonne ici. Dépose le pied derrière à plat au sol, comme en guerrier 2, mais on garde les doigts entrelacés. Et d'ici, dans le guerrier humble, on va fléchir juste à côté de la jambe gauche. Et de là, peut-être l'entrelacement des doigts se soulève vers le plafond. Et tranquillement, dépose les deux mains au sol. Marche les mains vers le centre. Allonge les deux jambes et rends les deux pieds parallèles. D'ici, elle inspire dans une demi-flexion et elle expire, fléchis. Elle inspire, demi-flexion. Expire, fléchis. À nouveau, demi-flexion. Expire, fléchis et maintiens ici un petit peu. On pourrait même agripper les coudes opposés, laisser pendre un petit peu plus, un peu plus lourdement. Le haut du corps vers le sol, on peut basculer gauche-droite. Cherche à sentir le poids sous les deux pieds équitablement répartis, puis les deux pieds qui pressent très uniformément dans le sol pour engager nos jambes dans une rotation interne. Donc, on retrousse un peu les fessiers vers le plafond.
Samuel, est-ce que tu m'entends? Ben moi, je t'entends pas, par exemple. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Un peu scanne sûrement, mais oui. Je vais essayer de rebrancher mon micro-casque, mais sinon, on va y aller avec le bon vieux micro d'ordi. Mais on t'entend bien comme ça. Ouais, là, je suis proche, mais quand je vais être là. Là, vous m'entendez? Yes. OK. Là, vous m'entendez, hein? Est-ce que quelqu'un peut me donner un cue? Oui, on t'entend. OK, parfait. Bon, un petit problème technique, Zoom. Donc, d'ici, on va reprendre la posture de l'enfant. Prends notre respiration calme, profonde. Là, on va retourner vers le chien qui est blessé. À l'inspire, le pied droit s'élève, puis amène le pied droit entre les mains devant. À l'inspire, deux mains vers le plafond, Highland. Sans le poids bien réparti dans le pied devant, de l'activité dans les jambes qui remonte jusque dans la colonne. Et à l'expire ici, les mains vont descendre vers le sol, frôle le sol, envoie les mains vers l'arrière. Et à l'inspire, vers le sol, l'avant et le plafond. Expire, referme. Inspire, remonte. Expire. Inspire. Deux autres fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et ramène la colonne neutre. Bien entrelacer les doigts dans le bas du dos. Et en tirant les mains vers l'arrière, ouvre le cœur vers le plafond. Tranquillement, ramène la colonne neutre. Dépose le pied derrière. Prends le pied comme en guerrier 2. Et de là, dans le guerrier 1, on fléchit pour arriver juste à l'intérieur de notre jambe droite. Et là, peut-être l'entrelacement des doigts. Se soumettre vers le plafond.
et de là. Dépose les mains au sol. Marche les mains vers le centre. Allonge les deux jambes. Et ici, on va s'en aller vers la posture de la grenouille. Donc, marchez les talons plus proches de la frontière du tapis. Et de là, on va venir déposer les deux genoux. Juste s'assurer que les genoux arrivent sur le tapis. D'ici, le bassin est en angle droit avec les genoux. Les genoux sont en angle droit avec les chevilles. Et les pieds sont comme à côté sur un mur imaginaire. Ici, je peux soit rester sur les mains ou descendre sur les avant-bras. Donc, j'essaie d'avoir une colonne qui est parallèle au sol. C'est, évidemment, si je suis sur les avant-bras, là, si je suis sur les mains, la colonne, une énergie là, de longueur dans la colonne. Si les avant-bras sont au sol, j'essaie de trouver colonne parallèle au sol, relativement soutenue. Bassin égal aux genoux. Genoux avec les chevilles. Et là, ça se peut que je puisse élargir les genoux avec le temps. La clé ici, c'est une respiration qui est calme, une respiration constante. Et tranquillement, on remonte sur les mains. En pressant les mains dans le sol, on peut s'aider pour amener les genoux un peu plus l'un vers l'autre. De là, on se réinstalle au sol, sur le dos. D'ici, cheville droite, ça met juste en dessous du genou gauche. Cheville droite fléchie. Là, on tire le genou gauche. L'épaule gauche. Les doigts peuvent s'entrelacer soit derrière la cuisse ou devant le tibia. Ce qu'on cherche à garder en priorité, c'est une colonne qui est longue au sol. Donc, si par exemple, je veux entrelacer devant les tibias, mais que ça crée une courbure dans ma colonne, il vaudrait mieux que j'agrippe moins loin. Peut-être même des fois utiliser une sangle ou une serviette pour me donner plus de distance un petit peu. Et tranquillement d'ici. On garde la cheville droite, mais on dépose le pied gauche au sol. Pose dans le sol, soulève le bassin, décale-le sur ton côté droit. Et colle, je veux dire, croise la jambe droite par-dessus la gauche complètement. Et de là, on laisse aller les jambes vers le sol, sur la gauche. Les bras peuvent s'ouvrir en croix de chaque côté. Et le regard à l'opposé des jambes vers la droite. Ça pourrait être possible aussi si vous avez un bloc à la maison et que vous sentez que la posture crée peut-être des tensions. Il faut venir placer un bloc sous les jambes s'il ne touche pas directement au sol. Ça peut m'aider à garder mon épaule droite bien ancrée au sol. Et
Respiration toujours lente et profonde, malgré l'espace à inspirer. Et à l'expire, je peux laisser fondre le corps un peu plus dans la posture. Et là, tranquillement, ramène les jambes neutres. Décroisez les jambes, recentre le bassin. La colonne et les omoplates ensemble. Là, c'est la cheville gauche qui s'en vient juste en dessous du genou droit. Cheville gauche fléchie et active, juste pour s'assurer que ma jambe gauche est active. Et de là, le genou droit s'en vient à l'épaule droite, jusqu'à ce que j'entrelance les doigts soit derrière la cuisse, ou peut-être même devant le tibia droit. Pas aussi longtemps que ma colonne peut rester longue ou seule. J'utilise le positionnement ou l'accessoire nécessaire, des fois avec une serviette ou une sangle, je peux tirer, sentir mon étirement, sans avoir à courber ma colonne. Encore notre respiration profonde, stable. On a maintenu de l'espace dans la fesse et dans la cuisse gauche. Et tranquillement, on redépose le pied droit au sol. Soulève et décale le bassin sur la gauche. Et croise la jambe gauche par-dessus la droite. Et de là, on laisse aller les jambes par le sol, sur notre droite. Les bras peuvent s'ouvrir en croix. Le regard à l'opposé des jambes. Et ici, on voudrait que l'épaule gauche reste bien connectée au sol. Donc, si on a besoin de placer un support en dessous des jambes. Ça peut être un bloc, mais ça pourrait être aussi un coussin que vous auriez à la maison. Juste un item qui pourrait être placé là pour vous aider à garder l'épaule gauche bien ancrée au sol. Le champ qui inspire, qui part du bassin vers les clavicules, va à créer de l'espace dans chacune des vertèbres, une expansion dans la colonne. Le champ qui expire, je laisse juste fondre le corps un peu plus. Dans la posture, je vais utiliser l'espace que je crée à l'inspire dans ma colonne. Vous savez, s'il y a des pensées qui viennent, vous amènent ailleurs, vous amènent à visualiser des choses, soit du passé ou du futur. Tout le monde vous rendez compte que vous êtes pris dans une pensée. Vous prenez votre attention à la respiration, à la posture, à la pratique.
Et là, on ramène les jambes neutres. Décroisez deux jambes, le centre de bassin, la colonne et les omoplates. Ensemble, vous pouvez se serrer votre soin en petite boule, basculer gauche, droite, dans les cercles avec le bassin, masser le dos et autour de la colonne au sol. Et, on pourrait le serrer dans la posture tout heureux, on agrippe. On passe dans l'intérieur des jambes pour agripper l'extérieur des pieds. On crée une certaine largeur, une certaine descente aussi des genoux vers le sol. Cette posture aussi, le bébé heureux, c'est un peu comme la grenouille qu'on a fait et la prière indienne qu'on a fait au début aussi de la pratique. C'est juste qu'on a une relation assez différente avec la réalité. Le positionnement et l'ouverture, un peu le même, dans la même veine. Et quand on sent que c'est le bon moment, juste s'allonger au sol, les pieds à peu près largeur du tapis, les bras légèrement ouverts de chaque côté, les paumes vers le plafond. Et de là, ici, on se rejoint à l'expire. Et à l'expire, on engage les jambes, on engage les bras, le visage. On est crispé au maximum. Et à l'expire, relâche tout. À l'expire, à nouveau, on engage. Expire. Dernière fois, inspire, on engage. Puis. Dans Shavasana, comme dans le reste de notre pratique, on cherche à rester ici, maintenant, dans la posture. On cherche à rester stable dans la posture. Une stabilité dans l'immobilité. Immobilité mentale. Immobilité physique. La respiration qui, d'elle-même, au fur et à mesure que vous devenez de plus en plus immobile, la respiration qui, d'elle-même, va diminuer en intensité, va devenir de plus en plus minimale. Est-ce pour que vous notiez des pensées qui viennent, qui réussissent à vous entraîner ailleurs qu'ici, dans un autre moment que maintenant?
Et du moment que vous en rendez compte, que vous en prenez conscience de ces pensées-là, vous ramenez votre attention au corps qui fond tranquillement vers le sol. Plus le corps fond vers le sol, moins les pensées vont être dominantes. Au fur et à mesure que vous cultivez l'immobilité, la posture se complète d'elle-même. Sans modifier votre respiration pour autant. C'est consciemment utiliser l'énergie de l'expire, qui est une énergie d'apaisement, de relâchement, pour retirer toujours une couche de résistance supplémentaire dans le corps. À chaque expire, le corps qui se relâche un peu plus. Avec un minimum d'intervention pour commencer. À un certain point, il n'y aura plus besoin d'intervention de votre part. Sans brusquer le corps ni le crisper d'aucune façon. Et commencez à bouger les extrémités du corps très légèrement. Commencez à ramener votre attention ici, dans votre environnement, dans votre corps.
et faire progresser les mouvements vers le centre du corps. Réveillez le corps comme bon vous semble. Quand vous sentirez que c'est le bon moment pour se tourner sur le côté de son choix, dans la posture du fœtus, et rester le temps qui est nécessaire avant de revenir en posture assise. En posture assise, on peut joindre les mains en prière au cœur. Juste avoir un petit moment de reconnaissance, d'avoir pris le temps ce matin, d'avoir pratiqué pour soi. Et ceci conclut notre pratique pour ce matin.